Et elle pleure, c'est normal. Elisabeth Allaire qui vient de gagner son premier groupe dans le prix Bournoisienne. Bravo Elisabeth, bravo. Quelle jument, quelle surprise quand même, parce qu'il y avait des drôles de clientes. Quelle est ton émotion là tout de suite? Ah là tout de suite, je réalise pas encore. C'est assez incroyable parce qu'elle fait ça comme une championne. Et certes, elle avait couru qu'une fois, mais le matin, on n'a pas de ligne, donc c'était compliqué de savoir, surtout dans les 3 ans. Et elle allait tellement vite le matin, quoi. Personne l'accrochait, donc on a tenté. On a tenté et puis elle a montré qu'elle était la plus forte aujourd'hui. C'est incroyable ce qu'elle fait. Ouais. Exceptionnel parce que ça fait très peu de temps que tu as installé. C'est ta première vraie année. C'était ta première gagnante à Auteuil. C'est fou cette jument. Parle-nous un peu de toi, ton installation. Comment tu vis ça, ce bel automne que tu réalises? Écoutez, c'est sans relâche. Il faut jamais se relâcher. On le vit avec tellement de stress, donc c'est de la folie. Et ça a l'air, oui. Ouais, là je vous dis, je réalise même pas, quoi. C'est un truc de fou. Tu aurais pensé quand tu étais chez François Nicole par exemple, tu as dû les vivre ces 48 heures inside, les vivre toi comme ça, gagner un groupe, est-ce que tu en aurais rêvé si vite? Bah pas si vite, parce que c'est une chance énorme d'avoir des chevaux comme ça dans les box. Et puis c'est tellement dur de savoir, comme je vous dis le matin, quand on n'a pas beaucoup de chevaux, pas beaucoup de lignes, pas beaucoup de... Voilà, surtout à Auteuil, c'est de la folie. Il faut tenter. Et la famille Coiffier qui te fait confiance, ta première listed avec Guarana, celle-ci, c'est une belle histoire, ça aussi. Oui, c'est... Waouh, c'est... propriétaires qui m'ont fait confiance en premier, donc c'est formidable. Bravo Elisabeth, profite. Il est là, Théo Chevillard, gagnant du prix Bournoisienne. Tu en as gagné quelques-uns des groupes, Théo, mais celui-là, je pense qu'il doit avoir une saveur particulière pour madame. Tu vas mieux dormir ce soir, je pense. Oui. Voilà, non, même hier, voilà, on dormait bien. À la base, on partait pas favori. C'est une jument qui avait super bien débuté. Elle était prête, fallait qu'elle répète ce qu'on pense d'elle. Aujourd'hui, elle a affronté quand même des drôles de juments. Mais je pense qu'elle fait partie des bonnes. Travailler comme ça, tu as connu le haut niveau chez François Nicole longtemps, travailler comme ça avec ta compagne Elisabeth, cette jeune entraîneur, c'est quoi? C'est un peu une seconde vie pour toi, j'ai l'impression. Bah écoutez, oui, c'est pas du tout pareil. Voilà, chez Monsieur Nicole, j'étais vraiment jockey. Même si voilà, on adore les chevaux, tout ça, mais on n'a pas le même poste. Là aujourd'hui, voilà, je fais un peu de tout. Je sais pas pour vous mentir, je peux être multifonction maintenant qu'avant je me consacrais vraiment à être jockey. Voilà, je me consacre toujours à être jockey. C'est toujours pas un trop mauvais jockey, la preuve. Bien sûr, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, j'apprends beaucoup de choses. Voilà. Et franchement, ça fait du bien. Et quand on voit que les chevaux nous le rendent, voilà, c'est encore meilleur. Et puis bravo à toute l'équipe qui est derrière tout ça. À monsieur les propriétaires qui sait attendre ses chevaux. Et puis voilà, non, c'est magnifique. Bravo Théo, bravo. Et après l'autonomie, décidément la famille Coiffier aime les juments. Kamzinéa. Oui, on adore. Et surtout au-delà de Kamzinéa, j'ai envie de vous poser la question, cette jeune entraîneur Elisabeth Allaire, pourquoi? Pourquoi toute cette confiance? Le hasard, hein, ça fait bien les choses, elle est à côté de chez nous. Et puis, c'est une famille qui connaît le boulot d'entraîner. Hein, et voilà, ça s'est fait comme ça. On a essayé et ça marche. Hein. Et ça gagne parce qu'il y a Guarana aussi, madame, qu'elle est, après l'autonomie, qui est certes maintenant aujourd'hui une star de l'élevage, en tout cas en devenir. Quel est votre plaisir de retrouver quasiment tout de suite une jument de ce calibre? Kamzinéa était à la maison. Je l'ai toujours aimé, mais c'est pas aimé. Moi, je n'y connais pas grand-chose en course, mais c'est le cheval. C'est une jument qui a quelque chose. Comme l'autonomie. Elles ont quelque chose, ces filles-là. Bah, souhaitons-lui le même avenir. Bravo, bravo, messieurs, dames. Non, mais ça commence là. Ils sont là, mais c'est évidemment... Les sponsors et le grand monsieur de l'obstacle à être rang. C'est la jeunesse, Franck, la jeunesse au pouvoir, non, quand non, même. Kamsin et Masked Marvel, 1 et 2 dans le prix Bournoisienne, Magdalen Bryant. On ne peut pas rêver mieux. On récompense ceux qui font confiance à être rang, finalement. Ben, c'est formidable. Nous, on essaie d'avoir des chevaux commerciaux et en même temps qui fassent plaisir à tous leurs propriétaires et surtout à leurs éleveurs, parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à toujours être ici présent. Et ben, allez, au travail, sur le podium, Franck, ouais. Sur le podium.